Moi je passe juste aussi, mais on vient de m'expliquer un peu le principe, c'est qu'en fait ils ont récupéré des palettes et l'idée c'est d'en faire des bancs amovibles. Du coup au fur et à mesure il y a toutes les étapes où il y a des gens qui les découpent, il y a des gens qui enlèvent les clous, qui les peignent, qui les assemblent. Et voilà, chacun peut prendre part à son niveau pour filer un coup de main. Bah, je vais fabriquer un espèce de stand comme ça avec un panneau pour qu'on me voit un peu de loin parce que tout à l'heure la place sera chargée de monde. Et pour qu'on puisse me voir de toute la place, il faut que j'ai un petit panneau un peu en hauteur. C'est cool d'avoir un atelier de construction où on peut construire des choses. J'en ai déjà fait un autre, je peux même vous le montrer, il est là. C'est le stand que j'avais fait la dernière fois, qui avait très bien marché. Et en gros, j'essaye de me faire en faire un peu plus gros et un peu plus visible encore. En fait, j'ai en train de donner des vies, des palettes que des fois les gens jettent. Ça sert toujours, donc ça donne une vie, une décoration, une joie aussi. Je pense qu'il y a des gens qui savent le construire pour une idée, et après on se met à plusieurs, et on apprend au départ à enlever un clou, puis à les assembler, puis on regarde, et puis au bout d'une demi-heure, on sait en monter un, et là c'est le vrai partage. Et on prend le temps d'apprendre et de faire, quoi. Dans l'absolu, je trouve ça déjà sympa de créer un peu du mobilier propre au mouvement de Nuit Debout. Ça fait partie aussi de notre identité d'avoir un peu des objets qu'on aura fait ici et qui perdureront après les événements. Et puis c'est un peu l'idée de même si on ne peut pas construire des choses sur la place ici parce qu'on doit évacuer tous les soirs, mais de pouvoir quand même avoir quelques petits aménagements amovibles, donc ces bancs à roulettes. C'est un peu l'idée aussi quoi, de pouvoir être bien installé, mais tout en respectant les contraintes qui nous ont été imposées. J'ai flashé sur un banc, je fais partie de la commission mutualisation initiative banlieue et quartier populaire. On est un lieu de rencontre, de débat et de soutien, de faire circuler l'information pour tous ceux qui montent des nuits debout dans la ville de banlieue ou les quartiers populaires. Demain on fait la commission à 17h. Et du coup, il y a aussi la problématique des gens qui ont parfois du mal à s'asseoir par terre. Et j'ai vu les bancs, j'ai flashé sur le verre. Et là, je viens de voir celui-là et je l'emprunte pour demain. Et je vais le photographier, je vais l'envoyer à tout le monde et je trouve que c'est une super idée.